Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette de make-up. Donc, pourquoi deux make-up? Parce que tout simplement, je ne suis pas toute seule pour faire cette vidéo. Je ne demande jamais des vidéos. J'aime pas dire collab, mais voilà. En principe, quand je fais des vidéos avec quelqu'un, c'est qu'on me l'a proposé, c'est rare que je demande. Mais là, j'ai quand même demandé à Jessica parce que, voilà, je l'adore, elle est adorable, c'est vraiment une personne hyper gentille, bienveillante, elle est vraiment adorable, elle est jamais dans le jugement et tout ça, donc voilà. J'avais juste envie de parler un petit peu d'elle. Du coup, c'est elle qui a choisi la palette et elle a choisi la Mimosa. Donc, on l'a eu il n'y a pas tellement longtemps dans le tirage au sort. Mais c'est pas grave, on va refaire un make-up et vous en aurez un aussi que Jess va vous faire. Donc sa chaîne c'est Life Tissia Miel. J'ai toujours du mal à le dire. Je vous mets aussi son Instagram de création parce qu'elle fait des superbes beaux bijoux. Donc je vous mets son Instagram de création dans la barre d'infos également, ainsi que sa vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner à sa chaîne, à commenter des gentils commentaires, à liker et tout ça, comme d'habitude quand je fais une vidéo avec quelqu'un. Voilà, c'est vraiment une personne très douce, très tournée vers le bien des gens. Donc, voilà, je sais que vous êtes gentil. Donc, voilà, allez voir sa chaîne. Je pense que vous pourrez aimer sa personnalité. Moi, je m'accroche plus à la personnalité d'une youtubeuse qu'à son contenu. Voilà, donc, je l'adore, tout simplement. Donc, Jess, merci d'avoir accepté cette vidéo. Comme je vous le dis, moi, je ne propose jamais. C'est vraiment très rare que je propose à quelqu'un. Voilà, parce que en principe je fais pas des vidéos pour qu'on me partage, mais j'aime bien partager les gens. Voilà, un peu d'histoire. Donc ben écoutez, je me rapproche et on va attaquer un make-up différent. Je vous mets les autres vidéos avec cette palette en barre d'infos et voilà. Donc j'ai quand même dégagé la touffette de ce côté là. Je vais commencer par faire mon creux avec le je vais faire un creux large. Attendez, une fois pas sur plus large. Avec le We Are Brunch. We Love Brunch. We Are Champions. Alors, hyper poudreux. Hein. Mais c'est de la qualité quand même. Bien que j'en ai pas gardé beaucoup des BH. Et que ce soit pas une de mes marques préférées. J'aime bien ces petites palettes quand même. Donc je fais un make-up assez simple, je vais juste ajouter après des petites fioritures, comme ça. Comme ça, au moins si vous voulez, un petit make-up simple et rapide. Vous aurez une idée. Et vous aurez une autre idée sur la chaîne de Jessica, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire. Voilà, alors avec, bon je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre le Happy Hour. Le marron un peu plus foncé pour mettre en coin externe. Bon, il fait rouiller une fois sur la paupière. Donc je dégrade sur le centre de la paupière. Alors je vais prendre le bubbly au doigt pour achever ma paupière. Je sais pas comment mettre mon doigt. Les ongles. Je reprends le premier pinceau et je blende mon creux et mon coin interne. Et les deux teintes. Le guava. Ici. Oh, quoi que non, je vais mettre le raspberry, attendez. Je voulais quelque chose d'un peu plus rouge. Ouais, je vais mettre le raspberry plutôt juste à côté. Et par-dessus, je remets du pop. Fera-t-il le mieux? Je reprends le premier pinceau et je blende ça. Et en coin interne, je vais mettre le... champagne. Je vais en rajouter un peu au centre.
Et voilà pour les fards. Ben écoutez, je vais mettre mes petites fioritures rouge à lèvres et tout ça, je vous dirai après. Donc je vous montre ce que ça donne et on se retrouve tout de suite. Donc voilà le look final avec la Mimosa. C'est beaucoup. Donc j'ai utilisé le Split Glisten, je crois que c'est gâteau. Attendez, je vous dis ça. Ouais, c'est le gâteau. J'ai fait un dégradé de liner marron. J'avais envie, mais celui-ci, il est un peu plus sable que marron. Donc ça n'a pas donné vraiment ce que je pensais, mais voilà, ça donne très bien aussi. J'ai vraiment envie de marron. Dans la muqueuse, j'ai mis le Stay Wild. Ouais, c'est ça. Des électriques. Vibes de essence. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai mis le Focalure Beam Platinum. C'est bien ça. Dans le creux et sous la queue du liner. Je vais pouvoir les jeter et utiliser les nouveaux que j'ai reçus. Parce que il n'y a plus moyen de prélever. Là, ça devient trop tendu. J'ai mis des petits papillons roses. Ici un transparent, mais je sais même pas s'il se voit, et des petites perles, donc ça vient de Shein. Et sur les lèvres, j'ai mis le Amour de Pat McGrath. Voilà, petit clin d'œil à Maryse comme d'habitude, et j'adore ce rouge à lèvres. Voilà, donc je vais aller de ce pas voir la vidéo de Jessica. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, ce qu'elle a fait comme make-up. N'oubliez pas d'aller voir également sa vidéo, de lui laisser un pouce en l'air, des gentils commentaires et de vous abonner à sa chaîne, et tout pareil ici. Voilà, et donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.